Un patient spondylitis qui m'a souffert beaucoup, surtout le soir. Tant que la journée, ça va avec mouvement, mais le soir, quand on prend l'idée, mais beaucoup de douleur. Ça fait environ 9 ans à 10 ans qu'il m'a fait le traitement. Et doucement, il a une petite amélioration, mais quand même ça, c'est un traitement à vie. J'ai besoin de persévérer avec et bon, j'ai besoin de faire beaucoup l'exercice, surtout natation, tout ça. Mais à l'aide de l'exercice qui me trouvait, me amène à amélioration. Madame Missier, bienvenue dans cette émission-là, Zondine Poukoz, l'arthrite, c'est-à-dire inflammation aiguë ou chronique, ban articulation. Dans nos émissions, Zondine Poukoz, donc, guetter qui ban différents types d'arthrite qui est là, qui ban symptômes, qui traitement qui est là et aussi qui ban la précaution qui bien prend. L'arthrite, c'est une inflammation endoïne. Endoïne, c'est une structure anatomique dans les os que des les osoïnes. Alors, quand ça, une structure anatomique là enflammée, on appellera l'arthrite. On a une qualité arthrite, on a une arthrite qui est dégénérative, c'est-à-dire ça joint là, il y a une dégénération au niveau de ce cartilage. Alors, graduellement, il cause l'arthrite. On a un autre groupe d'arthrite, c'est inflammation qui cause ça. Ça, c'est pour dire plus essayé que nous faisons guide patient avec plus beaucoup de soins, les chronifier, je faisais une bonne médecine longtemps. Alors, c'est bien inflammation. Ce qui nous trouvait de Maurice plus commun, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Ensuite, on a arthrite reliée avec psoriasis. Ensuite, on a un troisième groupe d'arthrite inflammation, c'est ben spondyloarthropathie. Après, on a un troisième groupe d'arthrite, c'est relié avec ben cristal, ben problème métabolique comme la goutte, les siliformes, ben arthrite. Après, bien sûr, il y a un quatrième groupe, c'est à cause d'une infection d'un endoïn, du monde qui a une arthrite. Par exemple, il y a une tuberculose d'endoïn, il y a une arthrite. Il y a une table d'arthrite aussi associée avec le HIV, par exemple. Ça aussi, on appelle ça une infectious arthritis. Qui est un type d'arthrite qui est plus commun? Polyarthrite rhumatoïde, en anglais, on dit ça, rheumatoid arthritis, le plus commun à Maurice. Et ce ben symptôme principal, c'est bien sûr douleur ben articulation. Mais ce n'est pas n'importe quelle articulation qui est affectée en premier lieu. C'est souvent ben petite articulation dans la main, hein, nous, si nous prenons nous les doigts. Souvent, c'est ça ben deuxième rangée du joint là qui est affectée. Ensuite, les montées graduellement, les vignes de nos poignets, de coude, de épaules, et peut-être la mâchoire. Et ensuite, ben plus ben big joint, comme un genou, la hanche et cheville, qui va affecter tout ben joint. Et souvent, les symétriques. Quand il est affecté, il va dire que vous avez une douleur symétrique, vous avez une enflure, vous avez enflé, alors c'est des symétriques, et la fois que vous ramassez des loups, ça met une articulation. Hein. Après, ensuite de ça, vous avez une stiffness. Ça, c'est très très commun chez un patient qui est en polyarthrite rhumatoïde. Le matin, quand vous êtes levé, vous sentez tout de même stiff, que ce soit sur la main, sur les pieds, sur la colonne vertébrale, tout stiff. Et souvent, il prend environ 30 minutes, peut-être une heure de temps à deux, pour qu'ils vous sentiez un peu cette stiffness-là, allégée. Et surtout, il est lié avec le soleil. Quand le soleil est levé, se sentit un peu plus bien. Comment le soleil est baissé, ben, patient pour dire oh, il est plus stiff. Alors, principalement, c'est douleur, on va dire, je gagne douleur, je deviens enflé, il ramasse des lieux, après, je gagne stiffness. Ça, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Mais polyarthrite rhumatoïde, non seulement il affecte les soins, et la fois, il dit que j'ai un symptôme constitutionnel. Comment dire, je gagne la fièvre, je gagne fatigue, je ne pas sentir bien, je ne pas quand même lever depuis le lit, je sentis bien à la force pour faire quoi que ce soit. Et la fois, il n'est pas même manifesté par ce ben joint symptom, il n'y a même cas que les gens ben extra-articulaire manifestation, c'est-à-dire qu'il commence de ce poumon, qui est un organe très atteint dans la polyarthrite rhumatoïde. Peut-être parce qu'on commence à gagner tous ces secs pendant longtemps, il sentit du tout fait, et suite de ça, il a été un pneumologue qui pouvait faire un test éventuellement pour gagner le diagnostic de, en effet, c'est la polyarthrite rhumatoïde, mais avec une manifestation plutôt extra-articulaire. Alors ça, c'est principalement ce ben symptôme de la polyarthrite rhumatoïde. Mon grand problème, l'arthrite, ça fait un mois que je commence à faire physio, je viens de chauffer, comme si j'ai un problème dans mon bras. Parfois, surtout le soir, qui... La douleur la prend en plus, vers 2h du matin, 3h du matin.
Elle lui fait mal beaucoup. Est-ce que pendant l'hiver, douleur là vient plus? Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est ça que j'ai vraiment besoin de chauffer les bras là tout le temps. Parce que à cause ça me qui lui fait mal. J'ai tout dans mon bon jointure qui me gagne ma douleur. En hiver, l'effet qu'il fait frais et dans l'humidité, alors pression barométrique sans zé. Alors Benjamin, souvent Benjamin, la plupart Benjamin, pas tout, pas dire 100%, tout Benjamin pour gagner une poussée en hiver, mais 80% de mes patients ont gagné une poussée en hiver. Surtout cette année-ci, là, nous remarquons que nous travaillons un peu plus parce que l'hiver est vraiment dur cette année-ci. La température est bien baissée, taux de l'humidité aussi assez fort. Alors, un tas de mes patients, ils ont senti qu'ils ont gagné une poussée assez répétitive ou bien une poussée bien sévère. Alors, vous remarquez, la plus beaucoup peuvent venir vers nous dans les bons centres de santé actuellement. Qui bonne personne qui plie sa risque? Il faut dire que ça affecte plus des femmes que des hommes. Hein? Et souvent, ça mène madame là, ça mène madame qui est affectée là, dans les trentaines, quarantaines à Maurice, là que maladie a commencé. Et nous remarquons aussi dans Maurice, il y a une prédisposition génétique, pas seulement dans Maurice, ailleurs, pas même d'études internationales, nous avons une prédisposition génétique. Alors, si dans la famille, il y a une famille, le lien de sang, souvent, vous êtes prédisposés pour gagner sa polyarthrite rhumatoïde là. Assez, si nous venons d'un deuxième groupe de arthrite inflammatoire qui est bien vu à Maurice, c'est arthrite associée avec psoriasis. Psoriasis, c'est une condition de la peau. Alors, 40% à plus de patients qui atteignent de psoriasis développent une arthrite. Et cette arthrite est un peu différente de la polyarthrite rhumatoïde et, parce qu'il est affecté aussi non seulement la main, les pieds, mais il peut affecter les colonnes vertébrales aussi. Alors, côté arthrite associée avec psoriasis, là, nous trouvons cette prévalence et incidence, je dirais, entre Madame Michel est presque pareil. Et ce age of onset aussi, disons, il est un peu plus jeune, ou car tous les mêmes patients-là, il y a à partir de 20 ans, 30 ans de Maurice, même chez l'enfant aussi, nous trouvons un peu psoriatic arthritis de Maurice. Et malheureusement, il y a une maladie chronique, pareil comme la polyarthrite rhumatoïde, et il y a une forme qui est bien sévère, que Dimon perd la fonction de la main, même les colonnes vertébrales, la hanche, les pieds, tout ça, ils sont pas carrément aussi. Et ce symptôme est presque pareil, simplement qu'il souvent n'est pas nécessaire qu'ils aient douleur les symétries. Et ben joint atteint pour ben là comment vous expliquer t'as là de polyarthrite c'est besoin ici dans psoriatic arthritis souvent il est affecté ben bout les doigts là aussi car va affecter les doigts gonflés tout au cou ben ceci comme ça c'est car il y a ben problème de ongles aussi hein, avec psoriatic arthritis et après c'est gain comme on dit manifestation de cette colonne vertébrale que les reins au deux, en bas commence à faire mal. Mais Maurice se dit, les reins font mal. Il ne fait pas les reins, c'est que le vertébral en bas qui fait mal. Et il fait mal pareil, avec moi. Mais toute mon inflammation, je gagne de l'air plus quand je dormis, je reposais, et moins quand je suis en activité. Après, ben troisième groupe d'arthrite qui nous peut trouver un peu plus beaucoup, c'est ben spondylo-arthropathie. Que principalement, il y a des groupes, ou bien la fois les caves overlap, il y a un groupe qui est affecté seulement cette colonne vertébrale. Plus connu à Maurice, c'est ankylosing spondylitis. Mais ankylosing spondylitis, maintenant, avec recherche, nous connaît. Sa maladie-là, c'est le end-stage, c'est-à-dire quand on gagne de la colonne vertébrale, quand ce ben colonne vertébrale finit fuse, à ce moment-là, qu'on appelle ça ankylosing spondylitis. Mais du monde là, souvent, il y a une maladie-là bien jeune, peut-être vers les 16 ans, et la plupart du temps, c'est ben garçon qui gagne ça. 16 ans, il y a gagné, aller venir, il est en rémission, après il est chronifié. Après, une bonne partie de la spondylo-arthropathie, c'est qu'il y a aussi besoin de l'armée des pieds, les périphéries, et il y a tous les périphéries et axes. Alors, ça mène malade là aussi, c'est assez commun à Maurice, et il y a un test de génétique qui nous fait, qui est associé, il y a le HLA-B27 qui nous fait pousser, groupe ça mène catégorie d'arthrite là. Et le test, bien sûr, se fait à l'hôpital gratuitement. Après, le quatrième groupe d'arthrite inflammation, c'est la goutte. Hein, à Maurice, c'est possible pour dire métabolique. Il y a plusieurs les autres qui ont été dissées. Mais la goutte, c'est le plus commun qui nous gagne. Et il y a beaucoup de monde qui a la goutte de Maurice. Alors, la goutte, c'est quoi? La goutte, c'est un problème de uric acide qui est élevé dans le sang. Alors, quand l'uric acide est trop élevé, ce n'est pas capable de tirer par l'urine, il y a cristallisé dans les joints. Il n'a pas nécessairement d'oiseau, mais il y a tout autour de l'oiseau. Le même temps, à côté, il y a le déposite là-dedans. Alors, graduellement, ça crée un environnement qui fait l'inflammation de l'oiseau là. Mais l'arthrite associée à la goutte est un peu différent avec les autres. Souvent, il y a une crise. Vous avez une crise la goutte, c'est-à-dire que vous avez une douleur extrêmement forte dans les pieds, surtout dans les orteils qui nous trouvent dans Maurice, bien même un genou. La douleur est tellement forte qu'on m'a dit que vous avez une bien cassée. Après, il prend un anti-inflammatoire, bien même un traitement, ça finit bien.
S'il n'y pas prend aucun médecine aussi, de 3 semaines, une douleur qui est associée avec la goutte, l'hiver finit bien. Et souvent, la goutte est associée, alors fréquence la goutte, nous trouvons l'épice de Ben Miché, qui est madame. Donc, il gagne ce période, il bien rôle pour gagner la goutte. Alors, c'est l'épice Ben Miché qui nous trouve la goutte. Et il y a un facteur aussi qui prédispose du monde à gagner la goutte, comme l'obésité, par exemple, du monde à gros, se manger, se demander de manger bien gras, se demander de manger, troisième, manger qui est riche en purine, comme les animaux se mettent en traille. Il y a ben certaines la boisson alcoolique comme du vin, la bière, ça aussi, si vous boire ça beaucoup, vous êtes plus prédisposé à la goutte. Après, il y a ben l'arthrite qui est associée avec ben infection. On risque pas trop trouver, ne pas trop trouver ben arthrite associée avec HIV ou bien hépatite C, pas trop commun, même tuberculeuse, mais à l'extérieur. Là où trouver ben du monde qui gagne tuberculeuse, c'est qui ont une tuberculeuse bien bien grave, les microbes là à leurs soins, ils forment ben un tuberculose arthritis. Ici, si nous gagnons aussi ben microbes, peut-être qu'ils ont gagné ben un peu ben UTI, ben microbes là, un peu différent car gagné mais ils bien rare que nous gagnons ben septique arthritis de Maurice. On se donne une clinique, ne pas trop trouver. Laisse-nous guetter à Stella comment faire prise en charge un patient qui a l'arthrite. Si un jeune a l'arthrite, premier d'abord, il peut aller dans un soin de santé. Il peut aller dans un médecin pour interviewer le jeune là, pour examiner. Après, et pas ben question nous demander, pas ben physique, va dire qu'on peut examiner distribution ben soin qui est affecté, est-ce qu'il est symétrique ou pas, est-ce qu'il est associé avec ce ben mouvement, bien quand il dormit, etc. Nous un record ça. Après, il a nous fait ben prise de sang. Alors, il y a l'arthrite, nous trouvons sérologiquement, comme la polyarthrite rhumatoïde, il y a un test du sang qui nous fait que sérologiquement, nous pouvons dire que c'est un ali ou bien l'hypénali. Par contre, ben, l'arthrite, comment associer avec psoriasis, la goutte ou bien même le spondylophropathie, nous pouvons vraiment une sérologie pour ça. Là, nous faisons un bilan d'inflammation. Peut-être pour ben spondylophropathie, nous faisons le HLA-B27 qui est un génétique marqueur. Après, en même temps, nous demandons ben X-ray, ben imaging studies. C'est-à-dire, nous prenons l'histoire, ben test du sang et ben imaging studies. Ensuite, bien sûr, nous examinons le patient. Là, nous vînons un diagnostic de quel type de l'arthrite la personne a gagné. Et de là, nous pouvons faire un traitement, un treatment plan. Moi, la main, tu commences à gonfler. Mais là, moi, j'ai un traitement, 15 ans, moi, là. Mon pied tout, docteur, tu crois que mon pied me casse. Mon tombé, le pied me casse, mes plaques, mais pas ça. C'est que douleur à la main que tu descends, non, mon pied tu gonfles. Mais là, mon mieux. Tout bien. Mon bien, bon médicament. Cortisone, tout le monde finit à arrêter de boire. Mais il y a quand même bonne précaution qui au continue prend. Oui, l'eau manger surtout. Oui, on fait bon régime, l'eau manger. Il y a ceux qui ne vont pas manger, ben gras. Quand nous gagnons le diagnostic que nous sommes, qu'il y était là, nous commençons un traitement. Premier d'abord, quand on fait un traitement pour une arthrite, surtout s'il y a une chronique arthritis, comme une inflammation, c'est chronique. Nous expliquons patients là, patients ou bien patients sur famille, c'est parce que nous avons des enfants aussi, nous expliquons, premier d'abord, c'est éducation, hein, c'est très très important. Faire du monde là comprendre, c'est pas une maladie qui pour bien, elle s'écoute, mais c'est une maladie chronique, que il y a sa maladie là, il faut suivre le traitement, et il n'est pas pour un traitement aussi, le traitement là, quand nous pouvons donner, pas une s'écoute, il faut boire médecine, il faut bien. Il faut une build-up thérapie. Alors là, explique-le bien. Deuxième, nous commençons avec la pharmacothérapie. Alors là, il y a un médicament qui est bien spécifique aux différents types d'arthrite qui nous donne, bien sûr, qui est là dans les hôpitaux. Et bien, le médicament là aussi, nous commençons avec une induction. Après, graduellement, nous augmentons la dose. Ça met le médicament là, malheureusement, il y a un temps pour amener l'effet secondaire. Il y a des gens pas pour te l'aider. Alors, quand nous donnons un patient un nouveau traitement, nous faisons régler le patient là, dans une semaine, 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, selon le traitement, que nous refaisons une prise de sang pour nous guetter si on te l'aider le traitement là ou pas. Là, nous build up le traitement. Alors, ça, c'est la pharmacothérapie. Alors, de même pharmacothérapie, il y a un médicament directement qui est relié avec ça, l'arthrite de mes soignés là. Plus il y a un autre groupe de médicaments qui vous calme les douleurs, plus il y a un troisième groupe de médicaments, on appelle ça un supportive treatment, qui nous oblige de nous aider parce que quand vous développez sa condition, l'arthrite, là, vous êtes un peu faible, vous avez des vitamines, vous avez des œufs pas trop faux, vous avez un peu calcium, un peu vitamine D3, ça c'est un supportive treatment. Alors, on va dire nous, on a l'éducation, la pharmacothérapie, et souvent, troisième chose qui nous fait, quand nous traitons bien patients avec l'arthrite chronique, souvent, des fois, nous pouvons peut-être infiltrer ce soin que tu fais mal. Aspirer le mettre bien piqué à la dent, ça aussi qui nous offert. Après, quatrièmement, nous expliquons un peu le ben physical thérapie. Comment applique glaçon, comment applique heat, ou appelle la glaçon ou bien salaire, dans l'articulation qui nous involve là, ben l'exercice qu'ils ont qu'à faire, ben posture,
C'est aussi de travail. Il a fallu des autres conseils, les autres pas. C'est qui a dû aller de comment viser à faire le travail. Après, nous aussi montrer même patients certains exercices à faire parce qu'un autre chronique ne veut pas dire qu'il pas viser à faire l'exercice. Si il a certains exercices qui est adapté avec ça, il a nous des autres conseils, Laura. C'est un traitement chronique à long terme. Bon, pas pour dire tout le temps ou la vie, puis il y a un moment que nous allons en rémission, c'est qui nous guettait. Là, nous guettait peut-être 6 mois ou bien 1 an, même nous guettait une holiday de 2 ans, mais souvent nous visons à guettait parce qu'il est carré vini. L'arthrite affectait aussi les enfants. Les enfants, c'est un groupe d'arthrite qui nous appelle juvénile idiopathique arthritis. Il y a plusieurs types d'arthrite, plusieurs maladies, ça c'est comme un parasol. Alors, les enfants, Maurice, pour le moment, nous trouvons bien l'ancien, nous pouvons trouver bien le cas que les enfants peuvent gagner l'arthrite. L'âge aussi de l'enfant, peut-être 2 ans, et l'enfant en bas 2 ans aussi, mais les enfants, ils commencent à gagner la fièvre. Les enfants pas pour plein du lait, alors les enfants ont la fièvre, quand ils morsent, ils boitent, ils cabossent. Ils commencent bien là, peut-être quand ce caregiver, bien les parents trouvent qu'il y a une articulation enflée, ou bien les enfants ont une rache, la fièvre rache avec une articulation enflée. Et les enfants aussi qui développent psoriasis et ceci à très bas âge aussi qui nous guettait. Mais là, ça, les enfants là, enfin là, ils ont avenir grâce à la bonne émission et depuis 2-3 ans. Mais dans le passé, ne pas tuer trop cause ça. Alors, ils ont des enfants, ils lèvent une diagnose. Ou bien, il faut des enfants atteindre un certain âge, que tu aies une carte diabétique, bon, tu peux gagner du lait, que tu peux plaigner, les lacs qui mènent parents, puis à mes autres, vers le centre de santé. Mais l'arthrite juvénile, il a une tendance à monter à Maurice, nous peut tout de plus en plus. Et si nous avons une prise en charge un peu bonne, nous sommes capables d'aider les enfants là beaucoup plus. Parce que si on pas soigné, non seulement les enfants qui ont handicapé avec le temps, mais souvent, même l'arthrite juvénile aussi, il a une comorbidité, comment ça affecte les autres ligés, les autres gagnent UVIT, les autres gagnent blindness. Alors, c'est un peu ben end stage qui nous gagne comme ça, mais alors, si nous gagnons d'être bonheur, c'est-à-dire ben parents conscients, c'est-à-dire que les enfants bien, les enfants qui ont pu morcer, est-ce que les enfants se peuvent faire la fièvre chroniquement, puis gagner rage chroniquement, alors vis-à-vis vers le soin de santé, là, nous commençons un traitement bonheur avec les enfants. Je ne sais pas comment vous gagnez du lait, d'un moment, les sous. Et là, à ce moment-là, je regarde le médecin, elle fait mon retrait à 10 ans, une analyse, une trouvée qui me gagne rhumatisme. Un certain temps, on a pénalisé. Mais mon bisin prend cortisone. Mais un certain temps, il est venu beaucoup. Ou bien dans les pieds, ou bien dans la main, parfois dans les coups. Il fait mal. L'arthrite inflammatoire chronique, si vous pas soigné, c'est qui est arrivé sans soin qui est affecté. Là, il perd des fonctions. Il est déformé. Il vient du monde là, et puis quand on servit sur la main, bien sur les pieds, sur la hanche, ou ma visée, peut-être si sur la main, surtout quand il perd des fonctions sur la main, pas pour quand même manger, baigner, pincer, il devient bien difficile parce qu'il déforme la main là. Ça, il a fait bien grand soin, comme un genou, bien la hanche, quand vous êtes affecté, du monde pas qu'à amorcer, vous avez beaucoup de difficultés pour ambuler, le sorcier, il affecte beaucoup votre qualité de la vie. Après, comme je expliqué au début, arthrite, non seulement c'est l'articulation, il a une extra-articular manifestation. Et un des ben organes plus atteints de l'arthrite chronique inflammation, c'est le poumon. Alors, si je passe sur un lit, ben, quand le poumon là, est affecté, il commence à gagner fibrose dans le poumon. Après, je gagne malade les cœurs aussi plus facilement. Si je passe sur les autres, je gagne atteint rénal aussi. Ça, c'est une même complication, un peu plus poussée. Qui ben précaution qui est capable de prendre? Côté précaution, nous ne pouvons pas faire rien, ça. C'est qui dit que nous sommes pour gagner, nous pour gagner. S'il est né avec sa ben jeans, là, nous pour gagner. Mais souvent, nous remarquons que notre relié avec l'inflammation, il y a une génétique susceptibilité, il y a un trigger. Hein? L'environnement, il y a un trigger. Alors, le facteur qui est dans l'environnement qui a un trigger, c'est nous dit cigarette smoking, fume cigarette, ou bien vivre dans un environnement bien pollué avec beaucoup de fumée. Et la femme nous dit l'obésité. Parce qu'il est affecté au système immunitaire. Il a certaines infections dans l'environnement, c'est-à-dire qu'il peut attraper un virus facilement, il peut trigger ça l'arthrite là. Alors, il peut arrêter de fumer, par exemple. Si vous trouvez qu'il a beaucoup de rhumatismes de famille, maman, vous conseillez de ne pas fumer, hein, parce qu'il est prédisposé à l'arthrite. Après, ben, l'affaire que moi, dans l'environnement, il y a des microbes, ben, la fumée, tout ça, peut-être garde le système immunitaire aussi un peu plus fort. C'est-à-dire manger sainement, faire l'exercice, comme on dit, immune système, les tip-top, ou pas, comme on dit, gagner une dysregulation de l'immune système pour développer une arthrite chronique. Parce que nous ne pouvons pas empêcher, mais nous pouvons au moins travailler le sabin trigger factor là. Après, il y a le traitement, il y a le sport, il y a quoi manger, quoi ne pas manger. Ça,
D'ordinaire, il n'y a pas vraiment, comme si, sauf pour la goutte, que vous avez un nutritionniste qui explique comment pour manger, ben manger qui ne pas contenir purine, comment divers roses, la bière, les animaux sont en trail. Nous disons pas ne pas manger, ben manger gras pour la goutte, parce qu'il plein de manger gras, puis il pourrait tenir l'uric acide. Alors, ben les autres arthrite chronique, inflammation, nous disons plutôt, garde ce système immunitaire fort. On dirait, manger ben antioxydants beaucoup, ça aide pour remain, on va dire, healthy. Après, nous conseillons souvent pas manger gras beaucoup, parce que plus vous mangez gras, plus vous avez tendance à prendre poil et pour faire un poil aux autres articulations. Pas manger d'ici que si beaucoup, parce que souvent nous avons recours au cortisone pour soigner l'arthrite, même qu'il n'est pas bien, pas recommandé autant actuellement. Alors ça les prédispose du monde à gagner diabète. Et pas manger salé, parce que souvent mes articulations enflées dans l'arthrite. Alors plus vous mangez salé, plus il peut retenir de l'eau. Alors ça, c'est un conseil qui est très comme si le ABC qui nous donne bien patient. L'alimentation joue un rôle important et bien évite certains aliments si on a l'arthrite. Parmi les aliments qui bien éviter, on a l'alcool, les boissons gazeuses, les aliments gras et aussi d'ICIC. Laisse-nous guetter à Stella quelques conseils pour diminuer la consommation d'ICIC. D'ICIC, c'est un ingrédient qui est une source d'énergie et qui servit pour donner goût sucré à ban plat ou ban la boisson. Mais si vous consommez trop beaucoup, il y a un risque pour la santé. Tout d'abord, il augmente le risque de gagner diabète type 2. Comme vous connaissez dans Maurice, quantité d'immunes qui gagne diabète ou qui pré-diabétique lit beaucoup. Et ban conséquence à long terme bien grave si pena un bon contrôle. Par exemple, risque ban maladie cardiovasculaire augmentée, pareil comme ban problème lisier et que les reins. Un autre risque, c'est obésité. Quand on consomme beaucoup ban aliments sucrés, taux insuline monte vite dans 10 ans et sensation la faim révine plus vite, à cause ça même et nadimoun qui mange plus. D'ici que donc pas bon pour la santé les dents, il fragilise nous les dents et provoque ban carie dentaire. Faire attention, ban disik qui cassiette dans ban aliment industriel, comme ban la sauce sucrée, ban la boisson et ban plat préparé. Il est donc important qui vous diminuez aux consommations disik, si vous diabétique et qui vous peut suivre un traitement, écoute bien conseil ou docteur et ou nutritionniste. Qui type diabète qui affecte plus ban enfants? Réponse A, type 1. Réponse B, type 2. Avoye ou réponse A ou B, l'eau 5-251-63-63. Ça s'émène là ou pour gagner une balance pour prendre ou poids. Voilà une émission finie ici. Nous finissons cause de l'arthrite, leur prise en charge ban patient et aussi leur ban précaution qui bien prend. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission.